Et enfin, le livret de géométrie. Sa jolie couleur mauve. Je vous montre le sommaire avec chacune des compétences qui sera traitée. Un point un peu plus important sur le matériel. Ah oui, j'ai pas mentionné aussi le fait que dans certains livrets, j'ai inséré des QR codes qui vous permettront de retrouver des vidéos que j'ai publiées sur ma chaîne YouTube avec l'explication ou des exemples d'utilisation du matériel. Donc de nouveau, les évaluations diagnostiques. Donc vous voyez que au travers des 4 livrets, vous avez vos évaluations diagnostiques cycle 1 et cycle 2 pour le début de l'année ou peut-être en cours d'année quand des élèves arrivent. C'est souvent le cas. Les livrets de compétences, des activités plutôt cycle 1.